Salut les Lemmings, c'est le Lemming. Aujourd'hui, pour la première vidéo sur ma chaîne YouTube, je vais vous présenter Fell Tip Circus, quelque chose comme ça. C'est assez réaliste parce qu'il pleut dehors et il pleut dehors en VR. On arrive d'abord dans ce salon. On peut lancer le jeu ici, il y a quelques paramètres là-bas, ça je sais plus ce que c'est, ça doit être les scores. Là on peut, je crois, aller directement sur une partie en particulier. Donc il y a 4 mini-jeux. Et sinon, hop, avec les deux triggers en même temps. On arrive dans cette petite boîte, voilà, on peut jeter des objets, on s'en fout. Donc on a plusieurs jeux, il y en a 4, il y a 3 niveaux de difficulté, et en fait on peut faire les 3 à la suite. Donc là par exemple je dis je veux easy acrobatique d'ailleurs, je veux easy, ouais je suis pas très bon encore en VR, acrobatique, lion timer et throwing knives, il y a 3 ou 4 jeux, il y en a 4 ouais. Swing Knives. Numéro of players, c'est si on veut jouer à plusieurs. Et j'ouvre la porte pour commencer. Donc ça, si mes souvenirs sont bons, c'est pour indiquer les scores. Press Boss Trigger to start. Est-ce qu'on veut des instructions? Non, je l'ai déjà fait une fois. Donc on prend ce machin là et on tape là-dessus au bon moment. Voilà. Le mec il arrive là-haut et il se fait éclater. Si je tape trop tard, il tombe. Si je tape trop tôt, il saute pas. Le ruban, il monte petit à petit. Et quand c'est tout en haut, en gros, on a gagné. Donc il faut faire le meilleur score. Là, par exemple, je vais pas taper assez fort. Ça prend aussi en compte la puissance. Et le score qui tombe. Comme les mecs, d'ailleurs. Voilà, voilà. Quasiment terminé. Il y a un système de temps, il me semble. Hein. Donc là, ça va passer au deuxième mini-jeu. Comme je disais tout à l'heure, il y en a 3. Non, je l'ai pas vu celui-là, en fait. Alors oui, je veux des instructions. Désactiver le lion par zapper les lumières. Attrape le machin, là, sifflet. Tu charges ton sifflet en le tenant à côté de la batterie. You share to drive them back. Eh ben, ça va l'air compliqué. Zap the switch when you are ready. Good luck. Ok. Alors, je charge. D'accord. D'accord. Quand je suis ready, je zappe. Je zappe avec ça, je suppose. Voilà. Et qu'est-ce que je fais du lion, moi, déjà? Il y a un truc avec la chaise, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on fait de la chaise déjà? Tu veux me remettre les instructions s'il te plaît, j'ai pas tout suivi. Tu veux manger? C'est ça que tu veux? Non, ça je te donne pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te faire reculer. Hein? Non? T'as mangé la chaise? T'as mangé la chaise? Et pourquoi tu manges la chaise? Il est fou celui-là. Bon, ça doit pas être ça, si je tape sur la tête pas mieux, on est dans la merde, les mecs sont... Je sais pas ce qu'il faut faire. Ok, il est en train de me bouffer. Au secours. Au secours, je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que tu veux des instructions? Non, parce que celui-là, par contre, j'ai déjà fait. Alors, il vous suffit de balancer les petits pics sur les ballons, n'est-ce pas, hein? Pas du tout comme j'ai fait sur les premiers coups. Hop là, hop là, hop là, hop là. Quoi, je vise mal? Je vous emmerde. Tiens, je récupère d'ailleurs. Reste combien? Eh bien, ça va être compliqué. Non, pas du tout. Voilà, il en reste que 3, ça va, c'est pas mal, pas mal. Alors quand on a terminé les 3 niveaux, on tire la manette, là c'est un bonus, j'ai pas bien compris à quoi ça servait. D'ailleurs j'ai tout le temps 4 machins plus une boule de temps en temps. Voilà, faut tirer plusieurs fois, ok, pas de problème, je sais pas à quoi tu sers, c'est pas grave. Ou alors c'est pour afficher le score. Et alors du coup j'ai plein de croix rouges, ça veut dire que je suis très très mauvais, c'est possible. Amateur. si vous voulez, oui.
Donc j'ai relancé le truc avec les lions, j'ai lu ce qu'il fallait faire. Donc il faut que je zappe ces lumières, donc c'est à peu près ce que j'essaie de faire, mais très malheureusement. Et je prends une chaise pour le faire reculer si vraiment il avance de trop, parce que si je me fais bouffer, je suis mort. C'est parti! Voilà! Faut attendre qu'il se relève. Hop, non, meurs, meurs, enfoiré. Deux. Et, allez, meurs, meurs, meurs. Recule déjà. Voilà! J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie! Attends une seconde, je recharge mon sifflet magique. Voilà. Non, c'est. Ah, en fait, il faut que ça soit sur le bout. C'est tout au bout, le. Vous voyez? Et. Là! Voilà, gentil toutou. Et bah voilà! C'est tout ce qu'il fallait faire. Ah! Ouh, oui! Alors, celui-là est assez chaud. Je suis dans le mauvais sens, ok. Non, je ne veux pas d'instruction. Je veux mon petit sifflet. On récupère les petits babales. Et on les met là-dedans. Et surtout, on reste sur la planche. Hein. On s'en fout si ça tombe. Il nous faut pas qu'on tombe. Ok. Et voilà. Alors, je sais plus combien de temps ça dure. La dernière fois, j'avais largement le temps de tomber. D'ailleurs, je crois que... Au niveau temps, on est tranquille ou pépère, il suffit de pas tomber. Hop, d'accord. Ça, c'est le piège. Ah, ma balle est tombée. Attends, je me penche pour la récupérer. Voilà, une grosse raie. D'ailleurs, je suis déjà orange, là, quand même, faut faire bien. Alors, par contre, c'est assez compliqué. Voilà. Fermez les yeux, les enfants. Voilà, on a fait à peu près le tour des 4 mini-jeux. Je crois qu'il y avait une mise à jour il n'y a pas longtemps, parce que le lion, je ne l'avais pas vu à l'époque, j'avais fait les 3 mini-jeux. De toute façon, en VR, la plupart des jeux actuellement, ils sont en pré-release. Les jours arrivent petit à petit, ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y a un abonnement, je crois que c'est 8€, un peu moins, par mois. Et vous avez genre 4 jeux gratuits par mois, enfin... 4 jeux pour 8€. À la fin du mois, les 4 jeux sont expirés. Vous pourrez en avoir 4 autres. Moi, j'ai fait ça. Je vais vous montrer de toute façon les 4 jeux que j'ai choisis. Il m'a fallu plusieurs heures, hein, une bonne dizaine d'heures pour bien choisir mes 4 jeux. Et je suis très fier. Donc, celui-là, non. Celui-là, c'est pas un des 4 jeux que j'ai choisi. C'est un jeu que j'ai acheté. Parce que quand j'étais à la Paris Game Week, il y avait un jeu qui était sur le cirque et qui était très intéressant. Et du coup, j'ai tapé Circus dans Steam et j'ai trouvé que celui-là, donc je l'ai acheté. Et en fait, c'était pas du tout ça. Je vous montrerai, c'est le Nvidia VR Funhouse. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour mes prochaines vidéos. Peace! Non, pas peace. À plus, les petits lemmings!